Excellence, j'ai l'honneur de vous recevoir ici sur la langue de Barbarie, qui, avec l'île Essor, qui est du côté du continent, constitue les trois entités de Saint-Louis. Vous constatez bien que la langue de Barbarie, c'est cette bande de terre entre l'océan Atlantique et le fleuve. Cette bande de terre est longue de 25 km, avec une largeur qui varie de 20 à 400 mètres et recevant 55 000 habitants, dont les trois quarts vivent d'activités de pêche. Cette langue de Barbarie, déjà entre 1927 et 1930, on a construit un mur de clôture. Ce mur a connu des détériorations en 1950, on voit ici des images d'archives, mais aussi en 1955, on voit des images d'archives et aussi de la visite d'élus pour constater les dégâts. Ce phénomène s'est accentué à partir de 2000. On voit ici, entre août 2013 et août 2017, l'avancée de la mer, qu'on voit que la bande de plage a totalement disparu. Donc ce mur, construit en 1937, a connu beaucoup d'affaissements à partir de 2015. On le constate ici, des images qui montrent ces affaissements. Donc voilà ce mur qui conduit à plusieurs endroits. C'est un mur de protection de cette langue de Barbarie qui a connu plusieurs affaissements. Et avec la disparition de ce mur, donc on a eu l'effondrement de beaucoup de bâtiments. Ça, c'est le quai de pêche. C'est le bâtiment qui est mitoyen avec là où nous sommes à l'école. Et on voit aussi des démolitions de logements ici représentées. Ceci a poussé l'État et la commune à premièrement loger les habitants dans des tentes, le temps de commencer des travaux d'urgence. Avant, les populations ont essayé, tant bien que mal, le temps qu'on commence les travaux, de faire des protections sommaires, mais ça n'a pas résisté. C'est pourquoi l'État, sur ressources propres, a entamé des travaux d'un montant de 4 milliards de francs CFA réalisés par l'entreprise FH, ici 6 millions d'euros, représentés par l'entreprise FH, ici représenté par son directeur général. Donc, le film qui va se dérouler rapidement va montrer brièvement la consistance de ces travaux. Sénégal, déjà menacé entre 1927 et 1930. Un mur de protection a été réalisé pour faire face à l'agressivité de la mer. La vétusté du mur, combinée aux effets des changements climatiques observés ces 10 dernières années, ont fini de fragiliser la langue de Barbarie face aux assauts de la mer. Aujourd'hui, plus que jamais, des centaines de familles sont dans une psychose permanente, assistant impuissante à la destruction de leur maison par l'érosion côtière. De 2008 à 2010, les quartiers de la langue de Barbarie ont... La partie extrême-nord de la ville de Moulébac a été complètement engloutie par la mer, environ 700 mètres. Face à cette situation, l'État du Sénégal a initié un projet d'urgence de protection côtière des quartiers de la langue de Barbarie. Ce projet, porté par le ministère de l'Écologie et de l'Assainissement, partenariat avec la commune de Saint-Louis et mis en œuvre par l'Office des lacs et cours d'eau polaires. Le projet structuré autour de deux composantes a vu sa première phase démarrer pour un coût de 4 milliards de francs CFA entièrement pris en charge par l'État du Sénégal. Il s'agit de réaliser sur un linéaire de 1 700 km un ouvrage mixte composé de deux rangées de matelas de long, 3x2 x 0,23, dont une rangée en fondation. Et une rangée en surface. Trois rangées de camions de 2 x 1 x 1 mètre et de deux rangées de géomètres de 3 x 1,4 x 0,7, soit un poids de 5 tonnes. L'ouvrage d'une hauteur de 1,83 mètre permet à terme de protéger les habitations contre l'érosion côtière. Nous nous inquiétions à chaque fois que la mer était agitée. La nuit, on n'osait même pas dormir. Nous avons à chaque fois cherché des solutions sommaires. Aujourd'hui que l'État a réalisé cette digue pour nous protéger, nous ne pouvons que remercier le bon Dieu. En plus de ces travaux d'urgence, des études vont être effectuées pour définir les travaux nécessaires de protection durable de la langue de Barbarie.
Ça, c'est le mené par Égis, financé par la banque. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est des travaux d'urgence. Parce que ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui est au nord de la langue de Barbarie. Alors, si on remet la carte, vous pouvez remettre la carte ? La carte. Pour revenir, voilà. Si vous mettez la carte ensemble, faites-moi voir. Donc là, ce qu'on a vu. La carte, c'est là. Voilà. Les travaux qu'on a vus. Ici. Donc, les travaux que nous avons entamés vont concerner cette partie qu'on appelle Ndartour et... Il n'y a pas de mur. Et alors, nous, ce qu'on va rajouter, là, le programme d'urgence, il est en dessous. Hein. Ici, d'accord. Très bien. Et derrière, on appliquera ensuite l'abonnement. Après, il y a un problème de fond. Il y a des solutions. À moins, à long terme. Ici, la brèche, on peut la... La brèche est... Alors faites voir la brèche. La brèche est en bas. La brèche est en bas. Plus bas. La brèche est quelque part ici. Donc en bas, donc elle n'est pas matérialisée ici. Mais c'est toute cette bande-là. Au nord, on a la... Nous avons la Mauritanie. Et le quartier de Gorombac commence par là. Et les travaux en cours présentement se réalisent à ce niveau-là. Alors le mur de 1927 en fait a été réalisé entre Ketnar et un petit peu le quartier qui suit, le quartier qu'on appelle le quartier Santiava, sur 1,6 km environ. Parce que le quartier de Gorombac est un nouveau quartier qui date depuis une trentaine d'années environ. Voilà. Des blocs de basalte qui sont tenus avec du cuir textile dessous pour protéger les façades de ça. Et ça, c'est ce qui va faire fondre dans la mer. Des études complémentaires que la Banque mondiale a lancées avec ce projet-là, lui, c'est un projet beaucoup plus ambitieux, mais qui va prendre des années entre les études et le suivi. Et c'est là que je pense, en tant que technicien, qu'il est urgent de faire des phases préparatoires. La première qui a été engagée par le CIAT, la deuxième qui recherche un financement. Et la deuxième, elle a raison. La deuxième, elle est sans financement. Et si on ne la fait pas rapidement, si vous voulez, le temps que la Banque mondiale fasse toutes ses études. Et ce qu'on a décidé maintenant, c'est la deuxième partie. Voilà, la partie suivante, que vous allez en faire. Et ça permet tellement de faire le contact. Et surtout, ça correspond à la demande qui avait été faite par le maire. C'est cette demande-là. C'est l'urgence. Mais il y a 900 familles, donc environ 10 000 personnes. De renforcer dans le cadre de l'urgence qui est manifeste actuellement, de renforcer l'aide aux populations, et donc d'accompagner ce projet d'urgence qui est en train de se mettre sur pied à travers des activités de renforcement par rapport à l'amélioration des revenus, par exemple, des populations, développer des activités pour améliorer les revenus, qu'il y ait une plus-value par rapport à ce qui est fait actuellement. Et c'est un accompagnement vraiment important. Dans leur vie, mais aussi dans leur modèle économique. Enfin, on l'a vu dans une autre région, dans le lac Tchad, la région d'investissement des lacs a donné d'ailleurs les pires choses parce que ça a complètement déstabilisé l'activité économique. Donc d'ailleurs, dans ce qu'on va investir, le programme d'urgence pour compléter ce que le gouvernement a fait, c'est les 15 millions. Il y aura aussi une part qui sera peut-être allouée pour faire ça. Parce que je pense pour viabiliser le modèle économique. Populations qui sont là et qui sont directement citées. Tout à fait, il faut aller dans le durable, effectivement. On est en train de mettre sur pied. Vous évitez dans ce rond. Allons-y, monsieur le maire. C'est ça.